Bonjour, bonjour voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous rencontrer dans cette vidéo dédiée aux énergies du... Il n'en reste pas beaucoup. Et bien du lion. Dans cette vidéo, nous ferons le point sur les énergies présentes et sur les ressources que vous pourrez activer pour vivre ce mois sereinement. Alors pour cela, je vais utiliser en premier lieu l'oracle Harmonie. C'est un jeu que j'aime beaucoup parce qu'il nous propose des questions. Donc on tirera deux cartes qui poseront les bases en fait pour la suite de la lecture. Ensuite, on utilisera les cartes de l'enfant intérieur. C'est un jeu de cartes qui reprend les contes de notre enfance. Voilà, là. Voilà comme il est coloré. Il est magnifique ce jeu. Peut-être celui-ci, vous reconnaîtrez peut-être la lampe magique. Pour aller un petit peu plus loin, du coup, pour compléter celui-ci, on utilisera les cartes du Dixit. Voilà, qui est un jeu très coloré et très parlant. J'aime beaucoup l'utiliser. Ensuite, j'aimerais vous proposer le tirage d'une seule carte de tarot. Alors, vous allez voir, ce tarot, c'est... C'est mon tout premier tarot, c'est celui qui m'accompagne depuis à peu près 20 ans. Donc il a perdu un petit peu de sa superbe, mais j'ai du mal, enfin vous le comprendrez si vous avez des cartes. J'ai un petit peu du mal à m'en séparer. Voilà, je vous montre comment il est. Donc on tirera une carte, et par rapport à cette carte, en fait, j'aimerais aussi vous partager une partie des poèmes de ce livre, Le chant du tarot de Jodorowsky. Il a écrit un livre magnifique et des poèmes pour chacune des arcanes majeures. Je vous lirai qu'un petit bout, hein, parce que légalement, je ne suis pas sûre d'avoir le droit de faire ça. Et simplement, si ça vous donne envie d'y jeter un coup d'œil, voilà, c'est vraiment très beau. On terminera cette guidance avec une carte des accords Toltec. Donc, c'est des petites cartes qui reprennent les accords avec des petits conseils. Et on les regardera au regard des questions qui auront été posées, puis de ce qu'on aura vu dans la guidance. Donc je vous conseille aussi de prendre un petit cahier pour noter les questions qui vont ressortir dans ce tirage, pour vous permettre d'aller regarder ce qui se passe en vous durant ce mois de novembre à Million. Cette vidéo, elle vous est proposée plus comme un exercice, donc profitez-en pleinement. Si ça vous parle, c'est merveilleux. Laissez-moi un commentaire. Abonnez-vous via la petite cloche ci-dessous. Sinon, je vous invite à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc pour ça, je vous laisse regarder sur Internet si vous ne l'avez pas encore calculé. Vous tapez signe lunaire ou ascendant et puis vous aurez toute une page de propositions pour calculer tout ça. Cette vidéo, elle est générale. Hein, donc si vous voulez quelque chose de plus précis, vous pouvez me contacter pour une séance privée à l'adresse qu'il y aura sous la vidéo. À Million, c'est parti! Lion pour le mois de novembre 2020. Alors, deux questions pour nos amis Lion, pour les accompagner ce mois. Million, la première carte pose le mot intuition. Écoutez-vous vos rêves? Très bonne question. Et puis la deuxième question, limite. Avez-vous posé des limites? Lion, est-ce que vous écoutez vos rêves? Mais plus largement, est-ce que vous écoutez cette petite voix qui vous guide? Quand elle vient frapper à la porte, est-ce que vous lui dites oui, entre, ou est-ce que vous lui dites oh non, encore pas toi? Voilà. Quelle relation entretenez-vous avec votre intuition, les lions? Écoutez-vous vos rêves?
limites? Avez-vous posé des limites? Cette question, elle se pose. Avez-vous posé des limites? Mais est-ce que vous vous êtes posé des limites? Et si oui, dans quel cadre? Dans quel champ voulez-vous avancer? Quel projet aimeriez-vous voir se transformer, hein, et pas que dans vos rêves, comment transformer vos rêves en réalité? Est-ce que vous avez posé des limites à Million qui vous empêcheraient aujourd'hui d'avancer en direction de votre ou de vos rêves? Cette question, elle tape large. Hein. Avez-vous posé des limites? Est-ce que vous en avez posé des trop près de vous, qui en mode protection? Ou est-ce que les limites que vous vous êtes imposées, elles sont peut-être trop larges et qu'il vous manque peut-être un cadre dans lequel évoluer sereinement? Quelle relation est-ce que vous entretenez plus largement avec l'autre et avec le monde qui vous entoure? Et quelle relation entretenez-vous avec votre moi intérieur et vos rêves? Peut-être que ça va nous parler aussi de la qualité de votre sommeil ces temps-ci. J'ai aussi envie de vous parler des limites de l'environnement. Est-ce que vous regardez souvent ce qui vous bloque ou ce qui vous empêche d'avancer? Est-ce que vous arrivez à transformer votre environnement pour évoluer? Ou est-ce que du coup vous tombez dans le piège de la frustration, hein, qu'on connaît tous, parce que les limites qu'on vous impose sont trop fortes? Voilà pour les deux questions et les thèmes qui seront certainement abordés dans la suite de cette guidance à Million. Alors on va continuer avec les cartes de l'enfant intérieur au regard de ces deux questions. De baguette. À Million, je vais vous présenter les cartes. Le 5 de baguette, une belle fleur jaune et un papillon aux ailes bleues. Le petit chaperon rouge. Sereine, avec le loup qui guette derrière. Et puis l'enfant des cœurs, qui guette et qui cherche une chaumière accueillante. J'ai le sentiment avec ces cartes que vous êtes dans une phase où on vous demande de trouver votre place. Trouver sa place, hein, au regard de la question, avez-vous posé vos limites? Dans quel environnement vous voulez évoluer? Quel est l'environnement qui ne vous convient plus? Quelle place vous voulez occuper dans ce monde et qu'est-ce que vous avez à offrir? J'ai ce sentiment que ce mois de novembre va vous pousser à dire les choses de façon impeccable. On voit bien cette fée aux ailes bleues. Qui cherche à arranger cette jolie fleur jaune. On vous demande de le faire avec légèreté et souplesse. Ce qu'on voit aussi, c'est que du coup, une fois que vous avez fait ça, il y a une sorte de sérénité qui se passe. N'oubliez pas
d'aller vous balader en forêt et de vous reconnecter à la nature. Ce qui me vient là, c'est la notion d'ancrage. Pour trouver sa place sans bousculer l'environnement, le cadre dans lequel vous évoluez ou vous allez évoluer, restez bien ancré pour ça. Bon, alors, il commence à faire un petit peu froid, mais aller marcher pieds nus dans une forêt, ça peut faire du bien. Ou simple, si on n'a pas de forêt à côté de chez soi et qu'on vit en ville, une simple visualisation peut être soutenante dans ces périodes-là. À Million, vous restez vigilant par rapport à cette prise de place. J'ai le sentiment que vous êtes serein dans cette transformation qui est en train de se passer. Hein. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que vous mettez en place depuis quelque temps. Et que vous savez que le danger peut arriver, vous savez que quelque chose peut arriver, mais il y a quelque chose de l'ordre de la sérénité qui émane de vous, parce que vous savez que c'est une étape nécessaire. Vous êtes en recherche d'harmonie avec l'environnement qui vous entoure et dans lequel vous évoluez. Il y a une phase qui arrive, vous allez devenir acteur. Suivez vos rêves. Je ne sais pas quelle est la qualité de votre sommeil ces temps-ci, mais il y a peut-être des messages qui peuvent vous arriver pendant la nuit. Alors, je vous conseille de prendre un petit cahier et puis d'écrire un petit peu le déroulé de vos rêves si vous arrivez à vous en souvenir, ça peut être précieux. Traverser cette période de prise de place. Ça peut être. Oh là là, je suis désolée, je suis en train de perdre mes mots, je vais me recentrer. Prenez le temps de voir évoluer les choses autour de vous et en vous. Là, j'ai le sentiment qu'on vous demande aussi d'aller regarder un petit peu à l'intérieur de vous, qu'est-ce qu'il se passe dans votre royaume, à l'intérieur de vous. Et c'est là, quand on parle de vos rêves, allez voir à l'intérieur de vous ce qui se joue. Est-ce que vous suivez toujours la bonne voie? Est-ce que le cadre dans lequel vous évoluez est le bon? On va en reprendre une pour la fin du mois de novembre, pour voir où ce cheminement peut vous mener. Hop là. C'est comme si vous étiez au début d'un nouveau chemin. Vous venez de clôturer un cycle certainement et là vous êtes un petit peu sur ok, là j'ai fait ça, maintenant je voudrais faire ça. Jusqu'où je peux aller en faisant ça? En redéfinition, voilà, c'est le mot. J'ai le sentiment qu'il y a une redéfinition qui s'opère. Carte de complément. On parlait de cadre et de limite. Hein. Alors voilà, avec cette carte, ce que j'ai envie de vous dire à Million, c'est que quelles que soient les barrières que vous avez érigées ou que l'on a érigées entre vous et le monde ou entre vous et vos parties, vos différentes parties, il y a un outil qui peut vous aider à vivre sereinement la situation, c'est la danse et la musique. Jouer de la musique, écouter de la musique, chanter, donner de la voix, faire entendre sa voix et être en mouvement. Et l'espoir est toujours là. Vous allez vous reconnecter à votre propre force qui va vous faire passer cette période de redéfinition plus sereinement. Voilà, c'est une très jolie carte de complément. Voilà, j'espère que ça vous aide, un million.
Donc ce mois-ci, ça a l'air vraiment d'être plus un mois introspectif qu'un mois d'action, hein. Alors, qu'est-ce que nous dit le Dixit au regard de ça? Ouais. Quel que soit l'environnement dans lequel vous évoluez, vous avez cette capacité à faire briller le soleil et à voir le beau au milieu de la grisaille. Peut-être qu'il y en a qui ont des projets de déménagement, je vous la montre parce qu'elle est magnifique. Ah, la question qui me vient en parallèle du déménagement, c'est qu'est-ce qui vous pousse à toujours porter votre histoire sur votre dos. Qu'est-ce que... Est-ce qu'il serait pas temps peut-être de planter ses racines à un endroit? C'est ce qui m'inspirait le chaperon rouge. Mais bon, de ce que je vois, c'est que vous êtes à la croisée des chemins. Vous allez être acteur de votre propre vie et... Et souvenez-vous que malgré les apparences, sous le ciel gris, le ciel est toujours bleu et que le soleil est toujours présent. Vous allez être créateur de la beauté du monde qui vous entoure. C'est le regard que vous décidez de poser sur celui-ci qui fait bouger les choses. Je vais en mettre une encore. Petit complément pour fin novembre. Vous allez redonner vie peut-être à d'anciens projets. Vous allez retrouver une énergie qui va vous permettre de retrouver le goût de certaines choses. Vous allez vous reconnecter peut-être à des vieilles passions. Et voilà. Vous savez, on dit toujours que dans le Sahara, il n'y a pas d'eau, mais l'eau est présente, mais on ne la voit pas. Ouais, ces deux-là, elles vont ensemble. Vous avez en vous les ressources pour refaire fleurir. Je dirais même comme ça. Pour refaire fleurir n'importe quelle fleur, même fanée, vous avez toutes les ressources pour redonner le goût et la joie, même autour de vous, à Million. Et ce mois de novembre, votre présence, elle va faire du bien. Et dans votre environnement, voilà. Pensez simplement peut-être à poser des limites, simplement pour pouvoir vous ressourcer, pour pouvoir aller à l'intérieur de vous, parce que ça va être un mois où le voyage se fera essentiellement à l'intérieur. On va continuer avec la carte du tarot. Alors, le message pour les lions. Au mois de novembre 2020. Et voilà, la lune. Alors cette carte, elle vous invite à, comme je disais tout à l'heure avec les nuages, l'introspection que vous allez faire, elle va vous mener vers plus de lumière, immanquablement. Il y a une part de vous qui ne demande qu'à être révélée. Ça va demander vraiment d'écouter son intuition.
ou de regarder aussi peut-être pourquoi vous ne suivez pas votre intuition. Vous n'avez de limites que celles que vous vous imposez, amis lions. Certainement aussi pour plusieurs d'entre vous, une reconnexion. Une reconnexion au féminin, à l'énergie féminine, ce qu'on peut voir avec l'eau, avec la lune, à ses cycles. Mais quelque chose aussi que vous n'avez pas voulu regarder, qui a été un petit peu enfoui au fond de vous. Mais essentiellement, cette carte, elle vous invite à aller parler à votre intuition. Je ne sais pas si vous lui avez donné un petit nom, mais ce serait bien. Pour ça, un petit exercice simple. Alors, quand il fait beau, hein, bon, alors, on a une belle pleine lune là, qui arrive. Je ne sais pas si vous... Non, vous n'aurez pas la vidéo avant, mais... si vous avez un balcon, si vous avez un extérieur, de prendre le temps d'observer la lune et de vous connecter à la beauté du ciel nocturne. Je pense que ça pourrait vous faire du bien. Même si vous êtes profondément solaire, les lions, aujourd'hui, en tout cas ce mois de novembre, on vous demande de ralentir et d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors je vais vous lire une petite partie du poème, hein, du livre que je vous ai présenté en amont. Dites-moi en commentaire si ça vous va, si vous aimez ça, si ce que vous évoque ce poème. Alors, quelle partie je vais vous lire? La peau d'argent dont je te vais n'est que reflet, brasier, qui n'insémine ni ne consume, océan de songes derrière le portrait. Cortège souverain qui se dissipe entre lacs d'intuition sans destin, pose un cadenas sur ta langue et arrache tes paumes. Les lignes du choix, urne funéraire, oubliée dans l'utérus maternel, laisse la nuit ouvrir de la voyance passive que la poésie et la magie, comme une buée génératrice, installe le miracle dans ton entrejambe. Que de tes quatre lèvres coule le sirop des vertes chimères, que dans la fête des fous tu sois l'ombre qui poursuit le changement. Voilà. Peut-être aussi hein, une période d'introspection qui va précéder un élan de créativité. Peut-être pour certaines femmes aussi, création d'un enfant. À voir, Amélie. Tenez-moi au courant. Alors, désaccord Toltec au quotidien par Florence Mignot. Quel est le conseil, quel est le petit point de vigilance à avoir pour les lions en ce mois de novembre? J'avais pas terminé. Alors, novembre pour les lions. Novembre pour les lions. Je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. Ah, en rapport avec les limites. Allez-vous poser des limites. Bon. Je fais la différence entre la volonté que j'ai dans ma tête et la réalité de mon corps. Les pensées ne sont que des idées alors que mon corps est dans la matière. Je ne peux que le suivre, l'écouter et le respecter. La première barrière qu'on a, hein, effectivement, je ne sais pas si vous voyez bien. La première barrière qu'on a, je ne le vois pas trop comme une barrière, mais plutôt comme une interface entre le monde intérieur et le monde extérieur. Justement, la question qui me vient, c'est est-ce que vous considérez comme votre corps comme une barrière ou comme une interface? Comment est-ce que vous considérez votre corps? Est-ce qu'il est au service de votre intuition? Est-ce que vous lui posez des limites? Quelles limites posez-vous à votre corps?
à Million pour les énergies du mois de novembre. J'espère que ça vous aura parlé. On arrive à la fin de ce voyage. À vous de continuer le chemin. Prenez du temps pour vous ce mois-ci. Relisez les questions qui ont émergé dans ce tirage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Et puis si vous êtes intéressé par un tirage perso, une séance de coaching privé, vous avez les infos sous la vidéo. En tout cas, je serais ravie de vous rencontrer en particulier à Million. Que ce mois, en tout cas, soit doux, soit lumineux et soit révélateur. Soyez votre propre maître. À tout bientôt, les lions.